Bonjour. À quelques jours du solstice d'été, quoi de mieux que de faire le qigong pour le cœur qui correspond au feu, donc dans les éléments en médecine traditionnelle chinoise. Alors, le mouvement de qigong pour le cœur se fait comme ceci. Alors, on vient à lever la main gauche, puis la main droite vient à pousser sur le côté. Et c'est le petit doigt dans les airs, donc, qui fait avec le méridien du cœur, qui a une connexion avec le ciel. Puis, la main qui est en haut descend, la main qui est en bas monte. Et c'est au tour à la main droite de monter dans les airs avec le petit doigt, comme ça. Et on fait encore le transfert, toujours avec le sourire. Toujours très lent, avec une respiration fluide. On inspire et quand on pousse, on expire. On inspire et on expire. Alors, il y a un transfert de poids qui se fait aussi avec les jambes quand on est sur le côté gauche. Tout notre poids ou presque va sur la jambe gauche. Et quand on s'en va sur la jambe droite, notre poids se transforme, se transporte sur la jambe droite. Et on revient au centre, toujours devant le Tantien, 2 pouces en bas du nombril, 5 cm, et juste au-dessus de l'os pubien. Et puis on peut garder cette assise avec les genoux fléchis. On est en position du cavalier, position où on vient à se reconnecter profondément avec la terre en gardant notre boule d'énergie dans nos mains devant le Tantien. Et on reste comme ça pour générer la chaleur comme au départ, on faisait passer l'énergie en inspirant dans la colonne jusqu'en haut vers le sommet de la tête, la couronne, et en expirant, on fait redescendre l'énergie devant du front, ça descend vers la gorge, ça descend devant le cœur, devant l'estomac, puis jusqu'au Tantien, toujours un peu en bas du nombril, au-dessus de l'os pubien. Merci.